Aujourd'hui, j'ai officiellement ouvert une enquête sur les crimes présumés commis sur le territoire de Mali depuis janvier 2012. Cette décision découle de l'examen préliminaire de la situation au Mali que mon bureau a initié en juillet 2012. Depuis le début du conflit armé qui a éclaté en janvier 2012, les habitants du nord du Mali sont soumis aux grands troubles qui agitent leur région. Divers groupes armés ont semé la terreur et infligé des souffrances à la population par tout un éventail d'actes d'une extrême violence à tous les stades de conflit. Je suis parvenu à la conclusion que certains de ces actes de brutalité et des destructions pourraient constituer des crimes de guerre au regard du statut de Rome. Depuis le, le renvoi de la situation au Mali par l'État malien, mon bureau est habilité à enquêter et à engager des poursuites concernant tout crime relevant de la compétence de la Cour commis sur le territoire malien depuis le mois de janvier 2012. Il a identifié au cours de son examen préliminaire d'éventuelles affaires suffisamment graves pour qu'il y donne suite. J'estime qu'il existe une base raisonnable pour croire que les crimes suivants ont été commis. Le meurtre, les mutilations, les traitements cruels et la torture, le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des biens protégés, les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable rendu par un tribunal régulièrement constitué, le pillage et le viol. Mon bureau mettra tout en œuvre pour mener une enquête approfondie et impartiale et rendra justice aux victimes maliennes en enquêtant sur les personnes portant le plus lourd part de la responsabilité dans les crimes présumés. D'après les renseignements disponibles à ce jour, mon bureau va se concentrer sur les crimes commis dans les trois régions du nord du Mali. La confusion bat son plein au nord du Mali et les populations sont exposés à des risques accrus de violence et de souffrance. La justice peut jouer son rôle en soutenant les efforts communs de la CDAO, de l'Union africaine et de la communauté internationale dans son, dans son ensemble pour mettre un terme à la violence et rétablir la paix dans la région. Des organisations régionales et internationales clés ont reconnu l'importance de la justice dans la résolution de la crise qui secoue le Mali. Les crimes internationaux commis au Mali ont profondément heurté la conscience humaine. Les critères juridiques sont remplis. Nous allons enquêter.